Salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous? Moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la folle aventure épisode 7, ça faisait bien longtemps, je ne suis pas tout seul comme d'habitude, je suis avec Survivor, note le Mexicain, comment vas-tu? Bah ça va super, et toi? Ça va super, MrBboy45. Salut tout le monde. Ça va? Oui, ça va très bien. C'est bien, et Dark Funeral 9, c'est tout, comment vas-tu Dark? Une transe, mes amis. Un étrange pouvoir vient de m'être donné. Il est chaud comme la braise. Alors, souvenez-vous, on avait enterré Dalkai, alias Mohamed. Mohamed de son Il ne nous a pas quittés, mes fils. Je le sens présent parmi nous. C'est Dalkai, par les pouvoirs qui me sont conférés, ressuscite. C'est long à creuser. Motherfucking John! On a ressuscité Dalkai, les amis! Quand vous allez? Eh, mais c'était long d'attendre ici! Putain, vous auriez pu venir avant, les gars! T'as toujours ta petite queue? Retourne-toi! Eh oui, regarde! Oh, c'est mignon! Oh, il a sa petite queue! Par contre, j'étais dans un endroit, il y avait 72 hier, j'ai pas trop compris qui c'est qui avait demandé ça. Ah, c'est moi! C'était pour tes beaux jours! Ah, d'accord! Putain, c'était bizarre, je suis arrivé, ils étaient toutes là en balle, j'ai dit oh! Attends, avec soi, l'avantage avec tout ça, c'est que tu peux faire des équipes de foot avec des remplaçants, c'est bien. C'est pas faux. Ah bah là, avec 12 vierges, t'as le goal et le public presque. Non, 72, il y en avait carrément. Oui, ah non, j'ai fait deux équipes. J'ai fait un championnat, le truc. Ah d'accord, oui, effectivement. C'est la Ligue des Champions, le con. Tous dans la baraque, on va faire un debriefing, les potes, et on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Bon, déjà, la structure est magnifique. Hein. Je sais pas qui l'a fait, mais il est exceptionnel. Magnifique. Ta gueule, les cons. Là, ça va être assez drôle parce que dans l'épisode dernier. Ça va être drôle. Dans l'épisode dernier, je vous avais demandé de noter la maison. Ah ouais, et la drôle, plupart ça. Ont mis 20 pour te faire plaisir, d'accord? Bon, ça c'est pour te faire plaisir, hein, Dark. Mais la vraie vérité, c'est que les gens qui ont été honnêtes, ils t'ont mis quand même entre 0 et 5. Les connards, je vous encule, voilà. Bah bon. Non, mais t'as pas des... Ah, t'es comme ça, toi, t'es de ce parti-là. Voilà, Qu'est-ce qu'il y a? Le poulet, il chauffe pas. Ça t'inspire tout ça, Miss Bogorle? Mais non, le poulet veut pas chauffer. Parce qu'il est fini de chauffer un peu, peut-être, non? Ouais, peut-être parce que... Ah, tu crois? Ah ouais. Bah ouais, enfin, je sais pas. Attendez, je remets un poulet pour le fun. Pour le plaisir. Bon alors, il y a plusieurs choses. Donc cette fois-ci, on va mettre tout au clair. Parce que le prochain épisode, on va voyager. D'accord? Comme les pigeons. Comme les... Non. Ah, je de faire. Comme les pigeons. Parce que les pigeons, ils voyagent, mais ils chient partout en même temps. C'est assez désagréable. Ouais. Bon, Dark, dégage. Va à la chasse. Oh, j'ai mis un col juste devant la porte. Si je vais à la chasse... tu perds ta place. J'ai pas d'épée, quelqu'un a une épée? Musbegirl, va la chasse. Ouais, tiens, si tu veux, il y en a une par terre. Mais j'ai pas d'épée. Putain, c'est qu'il y a de la laine que je me sors. Où ça? Tous à la chasse, les potes. Devant le coffre, il vient de la ramasser. Les gars, non, mais je sais que ça fait longtemps qu'on a pas tourné, mais ça redevient insupportable. Tout le monde parle en même temps. Ils sont là, ouais, non, mais moi. Ouais, non, mais tu sais, c'est super. Tu savais que les dieux avaient une capuche grosse comme. Sinon, j'ai pas d'épée. Attendez, fermez-la, je vais faire deux épées en fer si vous voulez. Voilà, deux épées en fer. Donc, Sophie et Dark, venez. Dalkai, tu fais où? Tu m'as dit d'aller chasser. Dalkai, regarde-moi dans les yeux. Eyes to eyes. Face to face. Dans les yeux. Dans les yeux. Regarde là. Là. Bon, écoute-moi bien. Non, regarde. Et venez, on fait un coffre juste nourriture, non? Écoute-moi bien, petit con. Tu vas aller miner avec Survivor. Faut du fer. D'accord. Comment tu le... T'as vu comment il s'embrasse aussi? On se regarde un Scarface. C'était assez drôle. Par contre, si quelqu'un chasse, prend de la laine, ce serait... Sophie, viens, on va faire pareil. Gros salaud, toi, là-haut, là. Mais non, mais laisse-le, c'est un putain de Mexicain. Mexicain, tu viens, on va miner. Vas-y, oh là là, venez, on l'appelle tous Mexicain tant qu'il achète pas le jeu. Venez, on l'appelle tous Mexicain tant qu'il achète pas le jeu. Rodrigue, là, je sens qu'il a mal, quoi, dit. Si vous voyez des moutons, prenez la laine pour que je me fasse un lit. Que dormir dans la terre pendant X temps, c'était dur. Mais t'as déjà ton lit là, Dalkai, hein? Mais non, il y en a que 4. Salut. Bon, vas-y, Dalkai, on va miner. Survivor, on le laisse dans la merde, il est chiant. Eh, mais attendez, vous voulez pas de... Viens, Survivor. Viens, Dalkai, on s'en fout, laisse-le. La dernière fois que je l'ai suivi, je suis mort de toute façon, alors. Ah, je sais pas, c'est une bonne nouvelle. Ouais, non, c'est... Bah, Dalkai, tu dois connaître ça, la mort, un petit peu, parce que... Ouais, bah c'était long, putain, j'attendais que vous, moi. Ça t'a... Oh, comment c'est magnifique, bon, Dark, tiens. Par contre, là-haut. Mais j'ai envie de te dire qu'avec 72, ce que tu sais, t'as dû leur apprendre des choses, t'as dû, au contraire, pas t'ennuyer, mon salaud. Ouais, je pense, moi je serais un peu dégoûté à ta place de revenir. Hein. Tu fais le tour, hein. Non, viens. Y'a un creeper qui me regarde droit dans les yeux. Ah, fais comme moi avec Dalkai, tu lui fais un petit fixe et tu lui lèches le front. Est-ce qu'il y a des torches?
Non, c'était quoi l'explosion? Ah, j'en prends. C'est le creeper. Et aussi, je me perds. Dalka était là. Hein. Ah ouais, bon, je suis là. Tu te souviens d'où est la baraque presque? À peu près, ouais. Je vais aller. Par contre, je sais qu'il va faire nuit là. Ouais, il va faire nuit, les potes. Mais ouais, mais nous on va dans une mine, alors Dalka et moi, ça va, de toute façon, on sera dans le noir quoi qu'il arrive. Dalkaï, tu me dis quand t'as un endroit propice à la propicité de la prostitution. Vas-y, viens, si tu veux, on pisse ici. D'accord, bien joué, Dalkaï. Ah, c'est un vrai pro, celui-là. Blague de merde. Vas-y, on creuse ici, non. Putain, mais il veut pas s'arrêter avec son écran à la con, lui. Mais non, j'ai un cœur. T'es où? Je t'ai perdu. Dalkaï. Oh là là, ça y est. C'est bon. Tu me fais peur. Vas-y, je prends. C'est quoi là? Ça sert à quoi la où en faire? La où? Bah, ça dépend où tu la mets. Non, bien sûr, ça va faire. C'est bon pour l'agriculture. Franchement, pour ça m'a fait rigoler quoi. Les blagues à Dalkaï. Allez, creuse à ma gauche et je creuse. Je vois pas de cochon. Il y a du fer dans le. Moi, je vois des cochons. Niveau 13. Mais il fait nuit là. Eh, vous êtes partis où les gars? Ça a mangé, mais je trouve personne. À la base, tu devais venir, mais vu que t'avais pas trop l'air de vouloir. Bah, en fait, je faisais des outils et tout là. C'est ton problème. Oh, y'a plein de poulets ici. Oh, t'es où, Dark? Attends, creuse-toi une marche, Dalkaï, hein, papa. Moi, je suis. Je voulais pas savoir où je suis, même moi, je suis pas sûr de savoir où je suis. Attends, les gars, vous perdez pas parce qu'on a mis l'enfer pour dormir. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris des temps. Sophie, t'es partie du côté de Biboy et tout. Moi, faut pas que je meure parce que sinon, j'ai réapparé au premier spawn. Moi, tu vois, dès que tu sors, Survivor, tu vas toujours tout droit et tu me trouves. Non, c'est moi qui dois trouver. C'est cool. Gay, ils se partent dans un délire là, mais. Je sors. Vas-y, je vais tout droit. Si vous pouvez ramasser du charbon, ramassez un. Bah c'est toi, actualise-toi parce que là tu crains grave. Eh oh. Bah non mais tu m'excuseras mais y'a mieux comme parole. Bah c'est... Bah dis donc, t'es jaloux quoi. C'est le carnaval. Non, Dark il a pas compris, il chante Mario. Ah bon. Salut Dark. Ouais ça Dieu. Non mais attends, y'a du gravier qui s'entraîne. We can chase... Chicken. Chicken. Putain, okay. T'as une pioche en trop, mon petit Dalkaï? Non, je crois que c'est ma pioche. Moi j'en ai fait. Non, j'en ai mais vous êtes parti sans moi. Allez, cassez-vous. Mais non, mais rejoins. Bah non, on est déjà parti, Survivor, on peut pas se recasser. C'est quoi un petit peu ta logique? Apparemment, j'ai pété ta lampe torche. Oh, putain, con. Mec, j'ai que 10 torches. Bien joué la lampe torche. Tu sais, il a pris mon tic de la dernière fois. Viens, Dalkaï, il y a plein de poulets là. Non, mais Dalkaï il est avec moi, hein. Cherchez pas. Ouais, c'est vrai, Dark. Ouais, y'en a plein ici, pour ça. Mais fais gaffe, si tu vois un Enderman, surtout, ne le regarde pas. Oui, en fait, si, c'est pas le contraire. Aïe, vas-y, non, c'est pas le contraire. Je sais pas, à chaque fois, y'en a, il dit faut pas le regarder, d'autres, il dit faut le regarder, donc au bout d'un moment, je cours et genre, il regarde. Moi, je le fixe, mon gars, ça bouge pas, mon gars. Y'a quoi, y'a quelqu'un? D'accord. Oh putain, y'a un squelette dans la maison. Ah, tu m'as fait peur, putain. Ah, ils sont deux. J'ai cru un fantôme, un esprit, une connerie comme ça, tu sais. Je vais mourir. J'ai plus de pioche. Oh, je mets des torches pour nous retrouver. Attends, je suis en train de faire des pioches en pierre. Oh, je suis morte. Ne me jette pas là. Non, mais arrête, Sophie, t'es sérieuse ou quoi? Ah, il y a du charbon là-bas. Il va encore me tuer. Dark, viens. Ouais. Non, sécurité, je mets deux bazars de terre pour pas qu'il y ait de squelettes. Sophie, elle fait un combat contre les squelettes, elle a rien compris au jeu, tu sais. Non, à la base, elle devait chasser, hein. Moi, je fais Xena la guerrière. Xena la qui? Ça marche bien. C'est quoi ça? Oh, on a pas vu la même Xena, je crois. C'était soit un indien, soit un mariage arabe. Un des deux. Oh, bien joué, Dalkaï! Trop sale. Tu prends la pioche. Ah non, Dalkaï il a fait rire. Dalkaï, non, il a gagné, hein. Il a gagné. Non, il est chaud. Il a investi niveau blague, hein. Putain, il est déterré là, il pouvait pas sortir ses blagues de merde. Ah ouais, je me suis retenu, hein. Putain, mais je crois que les 72 vierges, elles comprenaient pas mes blagues. S'il vous plaît, déshabillez-moi. Je dis, oh, c'est bon. On va jouer au foot, ça va te calmer. Le mec, il parle tout seul, quoi, il est fou. Eh, Dark? Question bête, hein, mais t'as pris des trucs de quoi manger? Ouais. Moi j'ai un manger si vous voulez. Bah donne-moi aussi, moi faut que je m'y aille. Oh putain, les gars j'ai du fer. Merci. Ne nous jette pas la pierre. Est-ce que je peux venir dans la mine avec vous? Non. Avec qui, Sophie? Non ou... Bah oui, parce qu'eux ils sont... Mais viens ma petite Miss Bigorle. Mais tu suis les lampes torches et tu nous trouveras. Tu seras toujours la bienvenue ma petite Miss Bigorle. Attends, je suis des lampes torches. Là, j'ai vu un poulet. Bon, non, on essaie de creuser là pour voir. Ouais, mais briser le poulet ou bien? Tu veux creuser là? Vas-y, viens, creuser là. Te cover. Hop, vas-y. Vas-y, Harry. Hop. On est des chasseurs de la nuit. Eh, vous devez chasser, oubliez pas, hein. Oui, t'inquiète, j'ai ramené du poupou lait. Du quoi? Poupou lait. Ah, d'accord. Quoi? Tu travailles chez KFC? T'as rien gagné? C'est ça. Le colonel, c'est mon chef. Y'a quoi? Le colonel, le colonel! Le colonel, moi j'ai entendu. J'ai entendu le colonel. Moi j'ai dit le colonel! Moi j'ai entendu le coton-tige, ouais. C'est le mec qui répond totalement à côté. Rien à voir. Non mais moi j'ai entendu cure-dent quoi, après moi je dis ça.
Moi j'ai entendu pamplemousse, je comprends pas. J'ai du charbon, j'ai du fer. Attends, ton citron. Peut-être qu'on peut pas faire d'omelette. Eh les gars, on m'a envoyé au charbon, débat. Et t'as des torches en trop? Non, c'est vrai, t'en avais pas beaucoup. Non, j'en ai. Mais j'en je vais ai... descendre avec toi alors. Eh Dark, pourquoi tu voulais que je creuse? Tu fais peur la Dalkai, hein. M'emmène pas dans ta tour. T'inquiète, arrête de péter les torches ou je te pète la face. Regarde, voilà. Dark, est-ce que t'as... Non, mais attends, Dark, je vais creuser là, à la base. D'accord. Y'a ton frère qui me suit. Mon frère qui me suit. Un Mexicain. Ça sent le clash. Eh les gars, c'est vrai qu'on n'est jamais tombé sur des villages de PNJ encore. Pas faux. Ça serait sympa là qu'on tombe sur un village de PNJ. Putain, qu'est-ce qu'il a encore? Zombie! Tu t'es fait piquer sur les orties? Apparemment, on m'a dit qu'ils avaient des longs nez, les PNJ. Est-ce que t'es sûr que c'est un nez? C'est ça le problème. Non, non, c'est vrai. Dark. T'en as jamais vu, toi, Dalkai? En fait, j'ai creusé Dark parce que j'étais jusqu'en Chine, mon gars, il y avait rien, donc je suis revenu. Regarde tout là-bas. Jusqu'en Chine. Zombies. Vas-y, ferme, on va les croire. T'as été acheter la Wii U ou bien? Ça le fait rire, ça? Ah, il a un œuf dans la main. Oui, il a un œuf dans la main. De qui? L'Enderman? Le zombie. Non, non. Un zombie qui a un œuf dans la main. Il a pas de main. Je vais pas trouver Dark. Attends, il y a un poulet. Mais. Ah, il y a des poulets là-bas. Sophie, va pas te perdre. Where is the chicken? Non, non, mais je suis les torches, je suis à 2 ans, elle est là-haut. La voix. Ah non, mais moi, nous, on n'a pas mis de torche, on est à l'opposé, Sophie. Non, mais c'est pas grave, je tue du poulet. Oh, j'ai vu une jungle. On est dans la jungle. La canne à sucre. T'as une hache, t'as une. Une hache. Canne à sucre. Les gars, allez chasser, hein, à la base. Canne à sucre. Ouais, ben, on récolte aussi. Ah ouais, il faudrait qu'on se fasse un champ. Bon, pas dans la neige, mais la prochaine habitation, on se fait des champs et un élevage. Un élevage de cochons, je crois. Bah, j'ai des œufs. On pourra faire un élevage de poulet. Non, de cochon, t'es con. Non, je suis pas con. Mais ça sert à quoi là? Ouh, moi je comprends pas. Eh bah, oui, mais il faut en faire pour tous, hein, je suis désolé, il n'y a pas tout le monde qui peut bouffer du cochon ici. Mais oui, mais il y a aussi un petit élevage de poulet et de vaches aussi. Ah, de non, poulet. Tu te rends compte le nombre de sandwichs aux rillettes qu'on pourra faire? Oh mon dieu, les rillettes! La dinguerie, mon gars. Saucisson! Non, parce qu'il faut savoir qu'à 3h du mat, Dark il se fait des sandwichs de rillettes quoi. T'es parti où, Dark? Ah, il y a un truc là. Veux-tu vraiment savoir? Dark, c'est quoi là-bas? T'as vu un truc qui brille orange? Ouais, c'est le soleil. La nuit. Non, il m'a fait rire encore. Il m'a fait rire un petit peu. Dalkai, c'est ton signe, on dirait qu'il a... Tu sais, il a renouvelé ses blagues pour son retour dans les épisodes, tu sais. C'est vrai. Quoi? C'est du raisin? Non, pas, mais j'ai des graines. Fèves de cacao. Trop stylé, genre. Bah, genre, ouais, je vais ramasser du cacao. On va pouvoir faire du Nesquik, qu'est-ce qu'il y a? Pour le petit. Putain, ça serait grave, mon gars, ils mettent le Nesquik et tout. Une dinguerie de jeu. Non, je t'ai ramassé le cacao, Dark. Ah bah, moi aussi, j'en ai ramassé un. Ah bon? Ok. Ils ont prévu des nouvelles mises à jour pour avoir des nouveaux animaux ou autre? Oui, il y en a. Mais il y a déjà des chats, je pense que c'est pas mal, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'ils ont. C'est vrai, il y a des chats? Des ouais, girafes. Si on en trouve un, on l'élève. Des lions, hein. des baleines. Non, non, mais no fake, les chats. Ouais, c'est vrai, dans les forêts. Il y avait pas des autruches aussi, j'ai cru dans la vidéo. Ah oui, si, si, mais ça, c'est des modes, non? Aucune idée, mais c'est Dark, vrai que moi aussi, j'avais vu des autruches. Ouais, tu peux même les chevaucher. Oh, ah, non, ça, c'est Dark, je suis pas de ce bord non plus, par contre. Non, mais. Non, non, mais y'a pas de soucis, Dark, tu fais ce que tu veux avec des autruches, mais. Je suis un peu contre. Oh, putain, Dark. Mais il y en a plein, des fèves de cacao. Oh, mais il y en a plein du cacao. Attends, Sophie, tu vas voir. Viens vite, viens vite. C'est quoi ça? Ils vont regarder dessus. C'est vrai que c'est dégueulasse. Mais c'est quoi? C'est un gros carré qui saute. Mais c'est vrai, c'est un carré bizarre avec des yeux. C'est pas une sorte de slime là. Mais viens, on va le tuer. Viens, on va le tuer. Viens, on y va. Viens, on y va. Mais viens, on va le tuer. Mais c'est tuez-le pas. Ça a deux gros yeux et une grosse bouche. On dirait un genre de gros glutovore géant. Mais on dirait un tas de morve. On dirait un gros tas de morve carré en fait. Mais ça m'a fait trop peur. Vas-y, viens, Dalkai. Oh, y'a plein de. Regarde ça. Oh, c'est énorme. Et oh, my God. Fucking God. On dirait. Vas-y, attends, j'essaie de le tuer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais le diamant! Ouais, ça s'est paré en trois! Ah, on est sorti d'un truc là, les gars. Mais sérieux, non, mais les gars, vous êtes. Eh non, mais au début, je crois que c'était un. Mais t'as pas vu ce qu'on a vu? Non, mais le pire, c'est que les gens, ils auraient trop voulu voir votre vue. Mais bon, la dernière fois qu'on avait proposé, je suis mort.
Oh le gant de manga. Eh, fallait appeler Ghostbuster non, mais... ou je sais pas quoi. Attends, Pipo, il y a du charbon là. Attends. Bah, vas-y. Est-ce que je peux m'expliquer vite fait? Vas-y. On est en train de se promener. On prenait des fèves de cacao. Normal, on s'est dit, tu veux faire du Nesquik, on va te faire plaisir, tu vois. Voilà. À un moment, tu vois, je me suis dit, il y a un gros tas d'herbes. Donc, ouais, c'est vrai. D'un coup, je vois un machin qui saute, qui se retourne avec des gros yeux qui me foncent dessus. Oh, moi, j'ai eu peur, j'avais jamais vu ce monstre. Et mais j'ai looté des boules. Des boules gluantes. Non, mais rigole pas, parce que le gros truc, on l'a tué, on lui a mis 3 coups d'épée, il est mort. Il s'est séparé en 3 petits trucs. On l'a retué, il s'est séparé encore en 3 petits trucs. Et encore en 3 petits trucs, et après on a les autres. Non, mais je pense que les gens, enfin les adeptes de Minecraft doivent connaître, mais moi je connaissais pas. Et puis le truc, c'est qu'ils se confondaient avec la forêt, donc ça m'a fait trop peur sur le moment. Ouais, c'est vrai, c'est assez hardcore. Et tu sais, les petits commentaires sur Survivor, ouais, c'est vrai, Jean-Pierre, que bon, coup, c'était quand même assez hardcore. Tout à fait. Non, mais moi personnellement, j'étais totalement choqué. Bon, attendez, les gars, je vais remettre tout ce que j'ai eu dans le. Oh, on s'est perdu d'Alkaï. On est en train de faire un gang. On s'est pas perdu. Attendez, je vois une jungle. Tu sais oui. Où on est. Je suis trop bête, putain. Oui, t'inquiète. N'oublie pas que moi, j'ai un sens de l'orientation ultra développé. Ouais, moi aussi, mais en fait, dans Minecraft, pas trop. C'est ta mère, toi. Oh, rien que ça mérite un j'aime et un commentaire. Voilà, j'ai réussi à passer le truc. Pas chier avec les. T'es perdu, Non, mais non, je suis à la maison. Depuis que je connais Sophie, c'est la première fois que je l'entends dire ça, mon gars. C'est violent. J'ai peur. J'ai peur maintenant de vivre avec elle. Rendez-lui Sophie. Rendez-lui Sophie la vraie, parce que là, c'est un problème. Alors, bizarre. Attendez, je vais faire du fer, les potes. C'est qui bombarde sa souris comme un porc? Je sais pas. Eh, il y a un trou là-haut. Oh. C'est con, j'aurais dû enregistrer, ça aurait été marrant, quoi. De quoi? T'as peur? Elle est enregistrée, t'en fais pas, elle est bien dans la boîte. Ouais, non, mais en audio, mais en vidéo, je parle. Je suis perdu, je crois. En vidéo. Tu vois, comme ça, t'aurais fait une petite translation en mini-fenêtre. Là, j'arrive. Sophie, va chercher la neige. Oh, des champignons! Oh putain, on me touche encore. Et pour faire une petite soupe. Oh, y'a des vaches! Oh, les vaches! Meuh. Ah, c'est bon, je vois la maison. Est-ce que tu connais. En parlant de vaches, connaissez-vous la chanson Je possède un cousin? Ramasse des champignons. C'est la connerie à Fufu, ça encore. Non, mais quand je vois des vaches, je pense à cette chanson, en fait. On voit pas les mêmes vaches dans la vie alors, parce que moi quand je vois des vaches. Je possède un cousin! Mais c'est quoi cette chanson? Qui s'est rompu le frein! Oh putain de merde! Dans la nuque d'un bovin! C'est insupportable. Sophie, tu peux aller. Oh, y'a un arbre gigantesque là. Oh, je crois que j'ai des trucs, je l'ai ramassé. Elle vaut au moins 5 troncs le bordel. Non, Sophie, la neige, t'oublie pas, hein, c'est à. De quoi? La neige. Par contre, là, ça l'appelle. On va se perdre. Et attends, j'ai trouvé du fer, mais j'ai rien pour le casser. Ouais, par contre, prendre du bois, ça peut être pas mal, tu vois, s'il y avait une hache. Mais on s'en fout du fer. Je suis en train de faire, tu vois. Mais non, mais pour avoir des outils pour partir. Essaye de prendre un max de bois pour la prochaine maison. J'en ai du fer, Sophie, j'en ai ramassé. Bouge pas, je cherche la canne à sucre. Je veux de la neige. Attends, je suis en train d'essayer de prendre un peu de bois, mais le tronc il est tellement grand. Bah, je ramasse. De quel tronc tu parles? Ça fait peur. De Jacques! De Jacques Dutronc? Ah, Jacques Dutronc, effectivement, oui. C'est moins impressionnant. C'est pas Jacques Dutronc? Oh, c'est Marc, mais c'est Marc, Marc et on fera pas abstraction de ce mec. De quoi? Il reste huilé. Non, parce que moi j'ai une petite blague sur lui, mais je la dirai pas parce que ça se fait pas. Sur Marc Dutronc? Ouais. Marc Dutronc. Oui. De toute façon, je ramasse. Mais faut à l'appel, Sophie, hein. Ah bah d'accord, c'est pour ça. Oh là là, non mais à chaque épisode, il y a l'erreur depuis 30 épisodes, tu sais. Dark, t'es parti où? Tu m'as laissé. J'étais dit de surtout pas bouger, de chercher de la canne. De la quoi? La canne. Ah, j'ai compris, de la canne. Je fais non, hein. On est pas au même endroit, toi et moi. Je suis Obi-Wan Cannabis. Ah. Et as-tu une pomme, pelle, mon chat? Qu'est-ce qu'il y a, mon Bogol? Une pelle, bien sûr que non. Construis-la toi. Il y a du fer à la maison. Viens à la maison. Tiens, bah Sophie, bah prends-nous du bois alors. Ah, oh, attends, non. C'est bon, j'ai pas d'outils. Oh. Arrête de me faire bosser là. Moi je suis comme ça, moi, t'as fait la chaîne. Écoute-moi bien, ma petite Sophie, vous avez voulu l'égalité des femmes? Alors vous faites le même boulot que nous, hein? On a un cul de traitement de faveur. Y a des. Ils sont méchants. Oh, je vais vous faire une soupe de champignons. J'arrive, Survivor. Les gars, j'ai une surprise. Tiens, du poulet. Oh, un Kinder. C'est où, Dark? J'arrive. Bon, attendez, vous savez quoi? Je vais prendre du bois vu que Moss Bigor là, il faut rien. Et ramener du bois aussi. Ah bah tiens, bah passe. T'es drôle ça! Laisse-moi! Eh mais t'étais où là? T'étais ton arbre! Ah t'es là, je suis là! Eh mais je suis vraiment paumé les gens! Bon, on rentre Survivor! Les gars, rentrez! Vous allez voir Sophie, elle est midi! Rentrez! Attends, on a un petit peu de chemin! Je t'ai dit que je me suis battu! Vous avez devenu une barre monstrueuse! Rentrez vite! Fais voir un poulet! Attends Sophie, surtout la retire pas, ça peut te faire mal! On arrive! Oh putain!
Y'a quelqu'un qui a de la laine? Ouais, nous, on a de la laine. Ok, je regarde un truc. Nous, on a un peu les mecs avant tout en fait. Voilà, on a du bois, de la bouffe. Attends, je suis le dernier mot. Ouais, moment, mais est-ce que t'as des trucs à la base de nourriture? Parce que c'était. Oui, de la bouffe, de la canne, du bois. Non, la canne, ça, c'est réservé. Du charbon. Hein? Regarde, tiens, Dalkai, regarde Sophie. Ah merde, elle l'a pu. Attends, Dark, tu m'as semé quoi. Mais c'est qui a laissé un arbre volant? Sérieux, vous mettez grave mal. Mais un arbre volant? Mais ouais, là. Ah ouais. Oh, je vous ai fait de la soupe aux champignons. Putain, là, depuis le temps qu'elle voulait nous faire ça, c'est pas arrivé. Bon bah écoutez, j'ai fabriqué un arbre de terre. Vous avez tapé une barre en rentrant. Oh, allez, on est combien? Après le verre de terre. On est 4? L'arbre de terre. Non, les gars, arrête, regarde, tiens. C'est tout le temps tout droit, Dark, là? Oui, là, c'est tout le temps tout droit. On va chercher du bois. Plus ou moins. Oui, non, il y a pas droit à la coupe. Du bois. Pas vraiment, parce qu'au moment on a dérivé sur la droite. Moi je crois que c'est champignons. Oh Sophie, tu vas pouvoir refaire plein de soupes. Ouais, c'est des champignons, mais c'est des champignons toxiques ça. Si tu veux qu'on fasse. De quoi il faut des bols, Sophie? Tiens, regarde quand tu as une soupe. C'est pour ceux qui ont pas de bol, ouais. Tiens, bois. Oh putain, il est où le charbon? Ah, mais elle a partout des champignons, vas-y. Oh, on a plein de champignons, Sophie. Oh là là. Des nénuphars. Oui, mais après il faudra des soupes. Alors, elle est bonne la soupe? Bah attends, je l'ai pas bu, je la bois pas. Je la bois que à la fin. La bonne soupe à la mer, Sophie. En ultime détresse, je bois la soupe. Hop, tenez, regardez. Acheter un peu de cyanure pour acheter du goût. Bah dis donc, hein. tu accuses Miss Big Girl de encore des champignons, je t'en ai posé. Attendez, je vais refaire des bols. Oh, y'a du porc là-bas, les chats. Attends, putain, il me faut du bois pour faire de la pelle, et résultat, je peux pas faire de la pelle tant que j'ai pas de bois. Alors, mais si, j'en ai ramené du bois là dans... Eh, mais y'a un champ de champignons, les gens, mais... Fouah. Bon, attendez, vous savez quoi, je vais faire plein d'armes, comme ça on est refait pour l'épisode d'après, on pourra voyager. C'est ouf. Non, et si tu peux faire une hache, moi je vais aller chercher en balle du bois. Ouais, je vais chercher plein de trucs, je vais faire plein de trucs. Pour toi, mon petit Dalkai. Un bouton. Mais qu'est-ce qu'il fait un bouton? Comment ça, un bouton de chemise ou... Je sais pas, c'est un bouton. Tenez, regardez, je le balance par terre. Tenez. T'as fait un bouton? Ah, j'ai ramassé. Bouton quoi? Surveillant, je te vois plus. Regardez. Hop. Tac, un bouton. Miss Bigger, elle veut pas comprendre qu'elle l'envoie à chaque fois par terre. Oh, tu me fiches. Attends, comment je fais? Dark, où es-tu parti? Justement, nulle part, c'est toi qui m'as laissé cette fois-ci. Comment okay, lui balance? Ouais, j'ai dû m'absenter pour cause de raison familiale. Quelques secondes. Raison familiale, eh bien. Ça j'arrive plus à faire des... Oh, il y a encore de la canne. Bah, la canne, elle a respawn, t'as vu? Ouais, c'est vrai. Par mais contre, je suis inventaire full, ah, là. Si, je crois. Attends, il y a un poulet, là. Oh, ça y est. Eh, les gars, j'ai fait une de ces épées, les potes. Alors qui veut quoi? Qui veut quoi? Putain, rends-moi les bâtons, Miss Bogorl. Voilà. Les gars, on va... Tiens, des trucs, genre... Bon, on rentre sur Survivor d'urgence, là, le soleil va se coucher. Le soleil va se lever. Attends, je suis là pour chasser un poulet. Je vais refaire des champignons. Vous avez des champignons rouges? Oh oui, on a du rouge, du marron, du pas marron, du bleu, du vert, du froid. Alors les gars, voilà. Écoutez-moi s'il vous plaît, j'ai oublié de faire des haches. Regardez dans le tout petit coffre, en rentrant dans la maison, vous aurez des pelles en fer, des pioches en fer et une épée en fer pour les chasseurs. J'ai déjà tout ça. Non mais pour en avoir encore plus de plaisir. C'est qui arrache la souris, mais genre comme un porc. Attendez les gars, faut que je me fasse une haie. C'est moi qui vais aller prendre du café un peu. Et bah, il y a la soupe dans le coffre. Putain, mais. Vous voulez des choses avec les œufs ou pas? Elle a bombardé les soupes. Eh les gars, rééquilibre. Oh non, mais le coffre, vous l'avez rendu, mais trop crade quoi. Sérieux, ça me met mal. Moi, j'aime bien quand les coffres sont bien rangés. Moi, j'ai séparé coffre nourriture. Celui à côté du four, c'est nourriture. Oui, bah ouais, mais apparemment, c'est eux qui ont pas trop compris le truc. Ouais, je suis en train de prendre tout le. Tout à la maison! Le en trop, on va le mettre de l'autre côté. Voilà, équilibre et tout. Par contre, t'as mis les armes ici, on les met ailleurs? Non, mais de l'autre côté, ouais, mets de l'autre côté, vas-y. Tu veux voir où la maison? Attends, vas-y, prends les armes, moi je suis déjà plein là. Juste là. Ouais, prends les armes, attends, bouge pas. Jamais je me perds dans Minecraft. Dit-il. On m'appelle le cartographe. Mais le pire, c'est que c'est vrai en plus. Les gars, ramassez les armes et mettez ça dans le coffre d'à côté. Bah attends, je vais faire les 33 poulets que j'ai ramenés. Eh les gars, oh là 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 là, fermez la maison. Fermez la maison, je vais faire masse de poules dans la maison. Masse de poules. Ouais, mais attendez, les poulets. T'as du thé où? T'as de l'alien? T'as de l'alien. Oh, oh, t'as de l'alien. Vous êtes prêts? Sophie, tiens, regardez. Attends. Sophie, attends, tiens. Donne-moi mes champignons. On va faire le jeu de la poule. Eh, tu l'es pas sérieux, hein, c'est nos poules adoptives. Attendez, tenez. Une! Merde. Ah merde, j'ai zéro ramassé. Tiens, champignons. Ouais, on peut en faire de la soupe. C'est bon, on a une poule. 4,
5, 6. Oh putain, la salope. Bon, bah, on en a une. Alors, attendez, j'ai 15 œufs. Fois plus sur quoi? 3. Non, mais j'ai pas de. Oh, arrête, 8, putain, mais t'es 9, plus chanceux que moi. Oh, j'en veux 12, 13, 14. Franchement, j'ai une question, les gars. J'ai une question. Est-ce qu'ils grandissent et ils se reproduisent? Sérieux? Les pommes, mais en tout cas, ça serait oui, gore de dormir. T'appelez pas, non, laissez-les, ils sont mignons. Ouais, parce que Survivor, il avait tué mon poulet. Regardez, il est mignon. Les gars, chacun son poulet. Qui c'est qui veut une boule gluante? Oh, qui c'est qui veut une boule gluante? J'en donne une à chacun là. Une quoi? C'est quoi? Non, moi je veux de la laine. S'il y en a, c'est ce qu'on a looté. Je suis dans le corps à Sophie alors. C'est ce qu'on a looté sur le gros truc dégueulasse qu'on a eu peur. Mais non, mais t'as de la laine. Ouais, j'ai de la laine. Tiens, c'est qui veut ramasser une boule gluante? T'as Francis la laine? Envoie-en 3 de la laine. Oh, la laine. Les gars, faites un lit pour Dalkai, on va dodo pendant la nuit. Au passage, chacun sa poule, hein. S'il y en a un qui tue sa poule, c'est la seule. Mais non, mais je sais pas où ils sont. Bah, je les ai mis par terre, tu sais, apparemment, c'est Bulbo qui s'est ramassé. Mais non, mais ça, on s'en fout, les gars, de la boule. Oh, il y a une petite poule qui veut aller dans le fond. Mais non, pas la boule, t'as ramassé de la laine. Francis, la laine. Ah oui, tiens, d'accord, tiens, la laine. Alors? J'en ai aussi, là, j'ai jeté. Putain, j'ai jeté des cailloux. À quoi ça sert les plumes? Alors, on va savoir. À te faire des chatouilles la nuit. Dans d'horribles souffrances. Ouais, effectivement, ça a l'air plein de souffrance. Moi, les gars, ma poule, elle est où? Elle est là, elle est au milieu, c'est une vaillante. Je vais l'appeler Roger. Roger. Moi, ma poule, elle est où? Regardez-les, ils s'amusent dans le coin. Bah, t'es sûr qu'ils s'amusent? Non, non, tapez-les pas, non, surtout. Allez, les gars, on va dormir, vite. Fais ton lit. Voilà, allez, on dort tous. Non. Attendez, je suis pas là. Ah si, on dort tous. Ouais, bah, si, parce que sinon, on peut pas dormir. Donc, t'as intérêt à dormir tout de suite. Mais je veux pas dormir à côté de Dark, il va me violer. Eh, hey, tu vas, dilemme? Oh, il y a une poule qui va marcher dessus. Dalkai, retire ta main de mon slip. Ah, c'est bon. Oh. Hey, tu croyais que c'était le mien. Eh, hey, Dalkai, j'ai une question. Tu sais, c'est les fameuses questions dilemme, tu dois choisir. Ouais. Imagine, t'es dans un lit, tu vois, avec une putain de bonne meuf à ta gauche et un homme très gay à ta droite. À qui tournes-tu le dos? À la superbe meuf bien gaulée que toute ta vie t'en verras jamais comme ça? Ou à l'homme gay? Je préfère tourner le dos à la bombasse parce que le gars, je suis pas sûr qu'il. Et vous avez d'autres questions sur ce truc ça? Tu préfères chier un cactus ou pisser de la lave? Cactus. Mais pisser de la lave, c'est un putain de pouvoir, t'es malade ou quoi? Chier un cactus, ça pique, mais tu pisses de la lave, mon gars, tu pisses sur un mec, il est chaud. Ouais, mais bien entendu, tu souffres. Bah ouais, mais si tu pisses sur le mec, il souffre aussi, hein. On peut sortir, on est obligé de rester encore. Bah non, mais c'est l'autre con là qui bouge avec son coffre là, pars-toi du coffre. J'avais une blague à faire, mais je l'ai déjà faite à tout le monde. Blague à part. Ah. Je vais la faire à Sophie, mais peut-être qu'elle la connaît déjà. Vas-y, fais-la. Vas-y, écoute, je t'écoute. Eh, le micro de Survivor, le micro. Répète. Qu'est-ce qu'il a? 10 fois d'affilée, gourchette. Okay. Bourchette. Bourchette. Ferme la porte, y'a des poulets, attends. Putain. Ferme la porte, barre-toi, Sophie, barre-toi. Non, Dalkai, recommence, parce qu'il ment. Répète 10 fois d'affilée, gourchette. Gourchette. Ouais. Gourchette, 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 gourchette. Et tu manges ta soupe avec quoi? La courgette. Une fourchette. Mais non, c'était... Oh non. Une fourchette. Une fourchette. Ah non, ça marche fourchette. Bien. Bah non, une cuillère. J'ai compris, une courgette, mais bon. Ouais, c'est avec une courgette. Hein. Non, mais... Ah bah oui. Ah, ah non, ça marche toujours. Ah. Non, moi, quand Dalkai m'a fait la blague, j'ai dit non, mais je mange vraiment de la soupe avec une fourchette. Hein. Je mets juste beaucoup de temps. Hein. Les gars, les poulets, ils veulent se barrer. Oh, barre-toi du coffre, un cuillère de poulet à la con, là. C'est le poulet à qui, ça? Dalkai, élève tes poulets un peu, là. Il comprend rien. Sinon, il va finir à KFC celui-là. Non. Mais il veut se barrer. Non, laissez-le pas se barrer. Faut pas. Est-ce qu'on peut le Eh, c'est mort, il y a eu des morts là. Il y en a que j'en vois que deux. Mais non, ils sont à la porte. Ils sont putain, bloqués. Eh, sérieux, Survivor, t'arrêtes de passer ta vie dans ce coffre et tu le fermes. Mais je pose tous mes trucs là. Vous faites n'importe quoi, vous. C'est que les trucs, mais tu là. Sais qu'il y a une touche rapide pour poser à vie. Un poulet. Allez, on se barre. Barrez-vous, mais laissez pas le poulet s'enfuir. Bah où? Dans ton. On va aller chez. Mais casse-toi la porte là. Ouvre ta porte. Et ouvre la porte là! Clic droit, clic droit, clic droit! Je me suis dit ça énervé sur le clic gauche. Mais c'est qui a mis un bouton? Mais c'est parce qu'il y en a un qui a mis un bouton! C'est moi, c'est moi! Oh, d'accord, tu mets trop mal! Bon, allez, qui va chercher. Avec c'est qui veut un nénuphar? Un nénu quoi? Moi j'ai dans les grottes! Viens ta grotte! Allez, on l'enlève sinon on pourra plus sortir. Et il me faut une. Allez les gars, moi je vais retirer du bois. Vas-y, moi je vais miner! Vas-y, je viens miner avec toi! Ouais, t'as bonne mine. Bah, pour la peine, je vais plus miner. Moi, je vais chasser. Tiens, bah, Sophie, va avec Dark, au pire. Et où, Sophie? Attends, j'arrive, faut que je sorte de la maison. Non, mais attends. Vas-y, Dalkai, vas-y. Mais pourquoi tu fais des demi-tours secs comme ça? Comment? Je sais pas. C'est bon. Il aime tout ce qui est sec. Eh, mais attends. Attends. Allez, les gars, c'est on y va. Et, rôti, c'est bon. À la tombée du jour, on rentre. On va où, Dark? On va où, Dalkai?
On stoppe l'épisode. Où tu veux, aïe. Mais pas trop loin. Compris, chef. Oh, on y a déjà bah voilà. Celle-là. Non. Il y a des torches, en fait, donc je pense qu'on y a déjà. Boule. T'es où, t'es où, t'es où? Oh, quoi, là, j'arrive pas à te rattraper. Non, j'ai pas eu peur. Putain. Oh là. Allez, les potes, moi j'ai mes. Merde! Mais je suis vraiment un ici, n'a qu'un poulet, gang de poulet. Je me suis fait. Oh, je me suis fait 4 putain, vas-y, viens, on fait le temps. Ah, mais non, mais on creuse là à droite. Mais non, on creuse pas. Putain, heureusement c'est qu'il y a une hache parce que. On va aller plus loin. Bah, Mini, concrètement, si, tu dois creuser aussi un petit peu. On va aller plus loin. Mais retournez là on où on a fait, Dalkai. Non. On a déjà été là, en fait, là où on était. Là où on a commencé. Faut finir. Ah, je peux monter dans l'arbre. Viens, Dalkai, j'en trouve une bien. Elle était bien là où on était. Ah, mais oui, mais oui. J'aime bien, fait Tarzan. J'aime bien l'architecture en fait de là, là. La montagne bizarre. Ça m'a fait mal. Oh, si l'eau, ça va être. Oh putain, je suis le premier à parler d'arbre volant et je suis le premier à le faire, quoi. Vas-y, ici. Je dis là, on creuse là. Il y a des trucs à récupérer. Ouais. Bah, il y a du cacao dans cette forêt. Du cacao. Mais va pas trop loin, tu vas te perdre. Cacao. Oh, je suis en train de faire Tarzan. Bien joué, Sophie. Ne meurs pas. Et là, le résultat, elle va mourir, tu sais. Non, mais attends. Ah, j'allais m'énerver, quoi. J'allais dire, c'est qui a posé, si, il faut faire un élevage de poulets, puis après on les tue pour manger. C'est la survie. Ouais, bon, faut pas tout tuer parce qu'il faut que ça continue à se reproduire. C'est un peu sauvage là, Dalkai. Hein. Je dis mais ça, non. Je dis rien, mais. Ah, d'accord, non. Ok. Ok. Le mec, il fait ça dans sa maison, il les égorge tous dans sa maison. Mais non. Ah, bah si, c'est ce que tu as dit. C'est vrai. T'es où, Dalkai? Tard, toi. Oh, il y a des trucs là. Ok. Ah, mais fais attention, et si on a croisé un gros baba bleu, gluant, gluant, gluant. Baba bleu? Baba bleu. Bébé bleu. Bébé bleu, bébé bleu, bébé bleu, bébé bleu. Putain, tu chantes super bien sur la loire, là c'est vraiment. Et pas tant. Ouais, c'est vrai. Là, poulet. Ouais, y'a de l'eau. Putain, vivement que j'ai une arbalète là. Pas mal la grotte là. Hein. Putain, y'a un poulet. Pas mal ça. Là, la grotte. Ouais, il a parlé avec l'accent ch'ti, j'avais l'impression. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Ça te fait rire, Dalkai? Écoute, l'accent ch'ti quand même. Et la vue est quand même magnifique. Là, cacao. Cacao, 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 là. Hein, il y a un truc qui... Les gars, je viens vers vous. C'est qui est vers la droite de la maison? Oh, c'est un Sophie. Mouton. Je ne sais pas. Oh, mais Dalkai, ça pue un peu ici avec l'eau, ça va être galère un peu, non? Oh, des trucs. Attends, oh, il y a un mouton. Je vais creuser, je vais découvrir qui c'est. Non, une poule. On va prendre la perle. C'est nous, ouais. Hop, le hop, voilà. Hop, hop. C'est vous? Ouais. Et vous appelez ça une grotte? C'est où, Sophie? Eh oui, mais là où il y a on un est, moment, faut creuser, hein. Bah en fait, on est parti dans un truc, mon gars, de non, l'eau... Non, mais on vous voit, je vous vois, hein, je suis juste au-dessus bah, de vous, si jamais. Bah, je vous tout à l'heure. Et vous êtes à quelques briques de chez moi, regardez, j'arrive. Non, je retourne dans la forêt. Ah, t'es là. Je te vois. Là, tu vois les fèves de cacao? Enfin, le cacao? Mais après, on va jamais se retrouver dans une grotte, là. Mais sûrement pour faire des trucs, donc autant les ramasser et en avant. Pourquoi vous avez pas été là où moi et Dalkai, on a commencé? Parce qu'en fait, tu vois par où on est arrivé? Par le petit soleil, là, voilà. Le petit soleil. Enfin, qui a du jour, quoi, on est arrivé par là, quoi. Ça fait peur un peu. Bon allez, moi je vais retourner dans la baraque. Je suis pas faite pour l'aventure, hein. T'es encore morte, Sophie? Non. Wouah, mais on est où un peu, là? Ah c'est bon, je vois la maison. Oh putain. Là, des champignons. Ah vas-y, ramasse. Je crois sur mes fêtes. Elle a fond dans sa soupe. Et avec quoi tu fais une soupe? Tiens-nous au courant, c'est jamais... sérieux, là, survivant? C'est un secret. Je suis sérieux, j'ai fait exprès, tiens. Il est mort? Où, Sophie? Bah non, mais il y a encore avec mes fêtes. Viens là, viens ici. Par là. Et il y a encore la rose sur la tombe de Dalkai, on va peut-être la retirer. Bah remarque, on va peut-être retirer la tombe tout simplement. T'es partout où Dalkai, t'as creusé? Ça fait ouais, un peu non, remonte. Oh, il y a une île. Ouais, et c'est là que j'ai chopé plein de champignons. J'ai retiré ta tombe, Dalkai, hein. Ça faisait un peu gore. Ouais, pas de soucis, de toute façon, j'ai ressuscité grâce à toi. Non, tu n'as pas osé. Ça a rajouté une touche fashion, je trouve. La tombe. Fashion, une tombe. Ouais, tu m'excuseras, mais... On n'a pas... Je pense Tofi. À jamais m'inviter chez toi. Ça fait quoi, ça? C'est quoi, ce truc? Putain de ah, c'est l'herbe mort. Eh ah, mais on a pas de grotte là. C'est là il y a des champignons. On est ouais, trop. Hein. Si vous m'auriez écouté, ben vous l'auriez trouvé. Mais là on est trop. Quoi. Mais je trouve ça fun de monter moi. Putain, attends, il y a un poulet qui me tape un fixe sur la gueule. Mais par contre, il faut des rouges. Des champignons rouges, tu veux? On va faire toutes les îles. Hein. Il y en a pas mal. Même sur l'autre île là-bas. Après, on voyage le prochain épisode, les potes. Ouais, il y a une araignée. Oui, chef. On va arriver. Oh, il y a une grotte, c'est bon, j'ai trouvé une putain de grotte, Dalkai. Plaisir d'offrir. Oui, tiens, bah, je vais boire la super soupe à Sophie. Oh, y a ah non, ça, elle se mange. Attends. Ok, la soupe back. Qui se mange. Back. Mais comment t'as fait un bol, Sophie? Ah ah, secret. Non, putain, elle me fait chier avec ses secrets à la con. Et un genre de V avec tes bouts de bois. Un genre de V. Ah oui, tout de suite.
Oh, y'a un poulet de volonté, mais il n'y arrive pas. Fais demi-tour, fais demi-tour. V comme Vendetta. Voilà. José Vendetta. Mickaël Vendetta. Oui, Mickaël. Ah, y'en a des rouges là-haut. Y'a du... David Vendetta. Il existe, je crois, lui, non? Non. C'est pas un DJ ou... Mais si, y'a un DJ, il s'appelle Truc Vendetta. C'est ça, c'est pas David. C'est David Guetta, en fait. Non, non, c'est David Vendetta aussi. D'accord. C'est pas Michael. Non, Michael Vendetta, non, c'est l'autre PD là. Mais... excuse-moi, pas de propos homophobes ici. Ouais, s'il vous plaît. Eh, PD, c'est juste deux lettres, hein. Et ça veut dire quoi, PD? Pédophile. Non. Bah, j'ai toujours su que croyez que ça voulait dire ça. Concrètement, il me semble que si, c'est la dénomination. Enfin, oh, des poulets. Non. Bah, après, oh, y'a une grotte de ouf là. Regarde, Sophie. Attends, débat. Je tue le poulet. Pas de débat, ça pas de débat là-dessus. Mais il me résiste, il est sérieux? Alors en 1760, il fallait trouver une abréviation beaucoup plus simple parce que dire attention à un pédophile, c'est beaucoup trop long. Bon, enfin, un mec qui crie dans la rue attention à un pédophile, c'est assez inquiétant. Ouais. Là, regarde Sophie, il y a une grotte. Ouais. Bah, viens. Merde, mais je sais pas quoi faire depuis tout à l'heure, je fais n'importe quoi. Merde, y'a un poulet qui s'est barré. Bon, c'est le poulet Adalkaï, on va dire. Un patard. Non, Adalkaï. Ah oui. Attendez, je vais faire une porte de sécurité pour être sûr que plus jamais un poulet tourbez, se barre. Sophie. Hop. J'arrive. Oh, y'a du fer en balle. Ouah du fer en balle. T'as des trucs pour remonter? On peut pas trouver de diamants, des trucs comme ça là. Bah, j'en cherche. Ah non, c'est con la sécurité que j'allais mettre. Ok, je la retire. Parce que j'avais oublié que le poulet il sautait aussi haut que nous. Putain de merde. Bah, c'est pas comme si on sautait très haut quoi. On saute juste que d'un cube quoi. Bon, enfin en même temps, tu m'excuseras, dans la vie tu sautes pas non plus à 6 mètres. Y'a rien. Surtout sur place quoi. C'est vite. Attends, je vais juste prendre des trucs pour faire un escalier. Il va faire nuit, histoire en plus, bah comme ça. Ah, ah, y'a un creeper, c'est un creeper, c'est un creeper, là. Où ça? Quoi? Ah, il va tu l'as, vite. Ah, recule. Oh putain, il est mort. Enfin, je sais, c'est mort. Mais pourquoi ça fait pas mort? Il y a une différence, effectivement. Parce que moi, j'ai reculé. Mais j'ai reculé. Bah, c'est... Parce qu'il l'a attiré. Oh putain, il est mort. Ah bah non, je suis morte. Ok. À Dark. Allez, reste Dalka, à la maison, Sophie. Revenez tous à la maison, s'il vous plaît. On va rester avec les petits. J'entends le bruit de fer à le casser. Vas-y, fais une mutante d'Alkaï, non? Ouais. J'entends le loup et le renard. T'as et fait la quoi là? Hop, hop. T'es par où il faut sortir? Bah oui. Et je te suis alors. Il y a qu'un seul chemin. Comment tu Oubliez pas que le prochain épisode, on plie ménage et on voyage. On plie ménage. Oui, on plie ménage. Tu vois Nicki Minaj? Bah tu la plies. Ouah, wow, l'esquive de la flèche. On plie Minaj. Merde, je suis perdu, putain de merde. Vas-y, ma blague passera inaperçue alors qu'elle était grave. Nicki Minaj. Mais ouais. Nicki Minaj. T'es sérieux? C'est celle qui a le plus gros boule de la Terre. Ah, celle qui est refaite là, la Renoir. Elle est pas vraiment Renoir, hein. Si. Bon, elle est métisse, quoi. Ah, elle est dégueulasse. Oui. Alors, le c'est vrai. Ouais, je sais, mais je pense je la trouve dégueulasse. Après, c'est je suis peut-être le seul, mais. Bah, elle est dans son univers, elle est un peu candy, mais bon. Oui, mais elle est dégueulasse. Par contre, revenez à la maison tout de suite. Je suis perdu, putain de merde. Vas-y, on rentre. D'habitude, tu te perds pas. Le mec, il y a 2 heures. Ouais, non, mais moi, je suis un mec, je me perds jamais sur Minecraft. Non. Oh, j'ai trouvé une maison de PNJ. Sérieux? Bah, viens. Ouais. Viens à la baraque, par contre. Oh, non. Attends, je regarde dans le balcon. Attendez, il y a un creeper et il y a le gros truc qui saute. Oh, putain, il y en a deux. Oh, il y en a trois. Il y a trois carrés qui sautent. Ouvre-moi la porte. J'arrive pas. C'est là-haut, c'est clic droit, Sophie. Va déjà trop, Satanas! D'accord. Mais pourquoi tu veux ouvrir? Avec mes petites mimiques, là, là. Pour voir si je vois Dark. Ok. Les gars, je suis perdu! Non, ça a l'air tellement. Par toi, Sophie! C'est vrai, quand tu dis ça, en fait, Dark, ça a l'air tellement terrifiant quand tu dis y a trois carrés qui sautent. Mais tu sais, les gros cubes! Ouais, non, Enderman! Oh! Ouais, je l'ai pas regardé, moi je l'ai pas vu de toute façon. Moi je l'ai pas vu. Comme on dit, pas vu, pas pris. Il est un code shit, B-Boy! Y'a quoi? T'as un code sheet, c'est pas possible que t'aies survécu de cette hauteur. Non, si, j'ai plus qu'un cœur. T'es malade ou quoi? Jamais de la vie je tricherai. Jamais. Les gars, on vous attend à la maison, on aimerait bien dormir, sauvegarder. T'as, d'accord, tu me suis là. Oh! Y'a une maison de PNJ! Ah, je me casse! Mais on s'en fout de la maison PNJ! Faut que je regarde, faut pas que je regarde, je fais quoi? Tu le regardes pas! Oh, merde! Ah, c'est PNJ! Y'en a 5! Cassez-vous! Au secours, je vais mourir! Ah! Oh, une araignée! Je suis tombé! Dalga, évite l'araignée! Comment t'es tombé, Sophie?
Je sais pas, non mais en plus je devais pas faire. Oh, je crois que la neige. Il y a 4 Enderman, les gars. Il y en a 4. La maison, la neige, elle a quoi? Elle a fondu? Ouais. Sérieux? Bah, je sais pas, c'est bizarre. Bah, oui, parce qu'il y a eu plein de petites boules de neige qui est tombée avec moi. Non, mais... c'est moi, Sophie Guitté. Les gars, toute la bouffe avec moi. Meurs pas. Non, mais. Ah, t'as fait un balcon? Dark, dépêche-toi de revenir, s'il te plaît, par contre, vraiment là. Non, mais vraiment, je suis perdu. Bah, ouais, mais c'est toi le pro de l'orientation, donc tu t'es perdu. Oui, mais pro de l'orientation, quand je suis pas poursuivi par 50 trucs qui gluants qui sautent, 4 Enderman et 5 araignées, quoi. L'excuse simple. Eh, Bibo, putain de merde, c'est toujours la première fois que j'en reviens. Non. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Les poules, ils vont sortir si tu fais pas de porte. Mais c'est vous là, arrêtez de niquer les portes là, si je vous mets un. Mais qu'est-ce qu'on a foutu de tes putains de poulets, de toute façon, ils vont crever alors. Je te jure, bah, tu sais quoi, crève. Ferme la porte, sur les rangs. Ah putain. Voilà, je t'ai dit, tu m'as chauffé là, joué. Il est où? Il est où? Laissez-le pas rentrer. Rentre pas, toi, tu restes dehors. Moi? Approche-toi. Bon, c'est qui fait le cassos depuis tout à l'heure là? C'est Dark. Je t'ai coupable. Donnez-moi une épée. Non, arrête Sophia. Eh, mais donnez-moi une épée. J'ai un œil d'araignée. Tu peux pas. Arrête Sophie parce que j'ai une pelle. Alors moi je creuse en deux secondes. Donnez-moi une hache. Oh putain, j'ai une épée. Je me fais ken par une flèche. Tu fais quoi toi avec ton épée? Tu fais quoi là? La. T'es sérieux? Voilà. Je vous avais dit, venez pas me provoquer. Pourquoi tu m'as fait tomber? Voilà. Je vous ai dit, j'ai une pelle. Venez pas me provoquer. Pourquoi tu m'as fait tomber? Bah parce que toi tu me provoquais là. Mais pour me chercher. Il est malade. C'est où Dark? Je ne sais même plus par où il est parti. Et enfermez-le, ce mec c'est un psychopathe. J'ai trouvé une maison de PNJ. Ah, des cris. Je vais faire gangbang. Bon allez, on va sauvegarder. Venez tous. Attendez. On reste dans la maison. Allez, l'épisode. Parce que là ça fait trop long. Mon compagnon de chasse, allez le chercher. Bon, j'arrive, je suis là dans 5 minutes. On s'en fout, laissez-le se démerder. Mais non, j'espère que cette vidéo vous a plu. On met fin à cet épisode en plein milieu, je suis désolé. Sophie crève dehors, je te jure, crève de froid. Non, je chasse les araignées. Je vais chercher mon compagnon. Bon, Survivor, dis un petit au revoir. Putain, vous êtes insupportable. Un petit au revoir. Bon, fils, si je meurs, je retourne à la maison. J'espère que cet épisode vous a plu. Malheureusement, il est fini en plein milieu d'arc. Il est totalement nul à chier, c'est perdu. Dans la forêt de Sherwood. Et oui. Ciao tout le monde, et comme à l'accoutumée, merci Survivor, j'allais faire un truc, mais tu m'as coupé dans mon élan. Vas-y. Attendez. T'as l'air fâché. Voilà, Guédu. Hein, comme à l'accoutumée. Allez, salut. Je suis même pas mort. Ah la voix qui l'a vu. Je suis même pas mort. C'est quoi cette voix? C'était Dalkai? Ouais. Bah oui. Je suis choqué. C'est le micro. Sophie, dis au revoir. Ciao tout le monde. Et Dark Funeral, le mec qui se perd, mais qui se perd. J'arrive! J'ai retrouvé mon chemin! Creeper! Dis au revoir, Dark! Au revoir! Bam. Mais attends, allez, j'arrive, salut, je suis là dans 2 minutes! Attends-nous! Mettez la maison! Un creeper. Oh non, mais là, sérieux, oh, les la maison, elle est morte! Eh non, mais vous nous avez pourri quoi! Sophie, elle a des flèches partout sur la tête! Construisez pour le prochain épisode, je veux qu'elle soit reconstruite! Y'a pas un intérêt que vous n'essayez pas de faire! Eh, c'est moi qui l'ai construit d'abord! Rien à foutre de votre vie! Débat, y'a plus qu'un poulet dans la maison! Ah bien! Putain, ça! Lui, il est resté! Allez, à bientôt tout le monde! Et n'oubliez pas de laisser un commentaire! Salut! Ciao! Bye! Bye bye!